Hey, salut tout le monde, ici Major Bourrasque pour l'Arsenal, en direct de mon atelier bordélique. Fidèle au modder, on est tout le temps un petit peu dans le foutoir. Ça fait plusieurs semaines que je suis pas descendu. En fait, quelques mois je suis pas descendu dans mon atelier. Mais j'ai réussi à monter la pente là, côté fatigue et tout, fait que je me redonne le plus que je peux pour continuer où j'étais rendu, parce que... Comme vous pouvez le voir, les trucs de plantes sont appris à disparaître ici. On va vraiment changer ça pour faire un espace plus pour filmer les revues, les différentes vidéos, avoir un petit coin pour le montage, un petit peu plus propre. Enlever ça. Continuer ce qu'on est rendu dans le rangement. Il y a des étagères qui attendent d'être montées pour le stock worker qui est en train de se répandre. Au niveau du montage, l'année passée, ceux se souviendront, je vais mettre la photo, de la quantité astronomique de bacs de montage comme ça qu'il y avait pour toutes les strifes, le strife fest, le vidéo, je pense que je ne l'ai pas fait encore. Mais en fait, je vais juste le glisser dans cette revue-là, comme pour la mise à jour de l'Arsenal. Parce que c'était mon but aujourd'hui, un petit peu, je vais vous expliquer où ce qu'on est rendu. Il va y avoir... là, récemment, on a... lancer la vidéo sur notre événement de cet été en 2019. Les grenades en train d'être préparées ici. Donc on a lancé cette vidéo là pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait au terrain, qu'est-ce qu'on a fait comme modification parce que c'était notre deuxième édition. Évidemment, on va avoir encore l'occasion de faire nos preuves puis montrer qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer encore pour notre troisième édition du débarquement 2020 cette année. Donc c'est pour ça que j'essaie de m'affairer. On est à la fin février, ça va super vite. Il me reste que quelques mois pour préparer l'atelier, faire quelques modèles rivales encore là, qui ont besoin d'être lipoïsés. Des Nemesis. On a un Exeus 2, la coquille, avec un kit Jet Blaster Omega en métal pour les snipers. Ici, il nous reste dans la chaîne de montage un Worker Hurricane. Ça ici, c'est un Jupiter rival de Out of Darts, si je ne me trompe pas. On va tout monter ça en fait avant de recommencer durant le mois de mars de façon intensive les revues, revues et unbox. On a changé un petit peu notre optique là-dessus. En fait, j'essaie de me limiter au niveau des achats qu'on fait pour pas les faire pour rien. Donc ça donne rien d'acheter un produit qu'on sait qui fonctionne vraiment pas bien, un mauvais blaster, simplement pour le trip de l'avoir, de l'ouvrir, puis après ça, ben de se rendre compte que que c'est pas mieux que ceux qui ont fait la revue en anglais ou peu importe là, t'sais. Donc nous à l'Arsenal déjà notre inventaire de jeux, on essaie de conserver que les modèles qui sont éprouvés, les modèles qui sont fiables, qui ont fait leur preuve, puis que les gens gardent comme on se lancera plus dans ce genre de truc là qui était plus peut-être à jour là, 10 ans là, pour les Stéphane, là, ceux qui commençaient à cette époque-là. Donc du SPB, on reverra plus ça ici. Ça, c'était le Build and Battle. On n'a même pas fait la vidéo, je pense, mais ça donne rien. En fait, là, je vais faire un mini vidéo plus Photoshop pour montrer qu'est-ce qu'il y en était de ce modèle-là. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Fait que les pistolets qui attendaient d'être essayés, là, les modèles en dessous, ça va se faire très rapide. Probablement qu'on va faire un seul vidéo avec tous les pistolets pour... avec les fiches techniques écrites là, sur l'écran pour vous dire, ben écoutez, vous pouvez vous attendre à ça, pour savoir si c'est un modèle qui vous intéresse tout de même malgré les performances, ben, il vous restera à décider. Tout
tout le monde a eu leur prix cette année. Tout est envoyé. Donc c'est ça, ici ça va être modifié, ça va être toutes des pièces pour libérer un petit peu ce comptoir bordélique là, que des boîtes de résistors, de voltmètres, de fils, de tout ce que vous voudrez, des switches. On va tout tasser ça. C'est de mettre ça, ça aussi ça s'en va. C'était dans l'époque révolue où j'avais des plantes, donc ça va disparaître. Pour l'avenir, on va se diriger plus vers des modèles. On va conserver notre vote quand même, on va peut-être donner ou se débarrasser de modèles dont... on veut pas nécessairement en grande quantité pour faire de la place pour ceux dont on aurait besoin en plus grande quantité. Oui, ça c'est Arthur. Gros pitot. Oui, c'est un gros chien. Oui, c'est un gros bébé. Donc c'est ça. On essaie de... C'est aussi là, un gros aménagement qui a été fait. On avait publié des photos récemment aussi pour montrer là, on commençait à s'installer un petit peu plus... un petit peu mieux en fait là. Au niveau du classement et de l'inventaire, donc un petit peu moins bordélique. C'est tout bien rangé en ordre. Il y a l'élite. L'élite, le modulus, le vortex, nos bacs d'équipement personnel pour les batailles. Les Boomco qui sont en train de mourir. On va faire peut-être un petit cue là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, là, les fléchettes de type paille. On va vous mettre la photo. Cette compagnie-là, qui était par Mattel, fait par Mattel, avait le gros contrat des modèles qui étaient faits pour le jeu que tout le monde connaît. Là. Allô? Donc, ce genre de modèle-là était leur, pas mal leur plus grosse, leur plus gros commissionnaire côté modèle dédié. Ben là, sans ce commanditaire spécial là, je pense que la ligne s'en allait. De toute façon, il est arrivé pas mal au maximum de capacité que le projectile peut générer là, parce qu'il est différent des fléchettes habituelles. Donc nous, on va se diriger plus vers Adventure Force, Ballistic Ops, je crois, et la ligne style Nerf standard, le calibre Nerf. On va peut-être avoir quelques modèles quand même X-Shot là, pour les revues. Je sais aussi que certains pistolets, certains modèles comme le Turbo Advance ressemblent beaucoup au Super Drum du compétiteur. C'est des modèles qui sont appréciés en fait, qui peuvent quand même être modifiables au niveau du ressort parce que c'est des modèles manuels. Donc on va quand même toujours avoir le... Les blasters qui se démarquent, puis qui, peu importe en fait le fabricant, là, mais qui compétitionnent, qui sont fiables, qui sont bien conçus au niveau du design, on va toujours avoir une bonne longueur d'avance là-dessus pour être capable de vous informer, puis que vous sachiez dans le fond quel équipement est peut-être le plus approprié pour vous ou votre style de jeu. Donc, évidemment, il y a aussi nos modèles. Là, les strife, il y a les super strife qui sont pas faites encore avec les kits automatiques de Worker. En haut, on a le FDL2, le FDL3, ça change pas. C'est des genres de modèles dont on va être peut-être un petit peu plus à l'affût. Il y a Super Sonic 2 qui a sorti quelque chose de vraiment bien. Il y en a d'autres aussi qui ont sorti en open source. Sonic 2 l'a fait aussi pour le sien, là, son brushless, les moteurs sans brosse, comme dans l'FDL en fait. Là. Une espèce de moteur de drone qui sont vachement plus puissants et plus gros que les moteurs de calibre 130, 132 et 180 dont on est habitué de voir là, avec les Nerf standards. On va se diriger vers ça, on va continuer la ligne rivale, là. C'est sûr qu'on est vraiment, on l'aime beaucoup, là. On a acquis plusieurs rivales Perseus récemment, puis on compte rester dans cette ligne-là, appropriée pour les joueurs un petit peu plus compétitifs, puis un petit peu plus grands, là, si on veut, donc c'est un petit peu notre ligne de visée pour les prochaines années, améliorer encore les obstacles au terrain, peut-être ajouter une défense, qui sait cette année si on a le budget pour, parce qu'évidemment avec l'équipement et tout ça, là, moi je fais ça
bénévolement pratiquement, puis par passion, à temps perdu, parce que j'ai pas les capacités physiques de le faire à temps plein. J'aimerais bien, mais c'est ça. Donc, mon budget est assez restreint, fait que je me prive beaucoup de certaines activités d'un fois pour être capable de faire mousser ce projet-là qui est l'Arsenal, puis que les gens au Québec réalisent qu'en fait, dans plusieurs pays, que ce soit aux États-Unis, sur les campus universitaires ou les collèges américains, au Royaume-Uni, en Asie beaucoup, au Japon, à Singapour, là, il y a des ligues de ça. Aux États-Unis, je pense que c'est la Blaster National League, quelque chose comme ça. Je vais mettre les liens. Donc, c'est reconnu en Australie aussi. On avait des fournisseurs là-bas, Blaster Tech, qui sont installés là depuis longtemps. Autant l'esthétique des modèles que les modifications électriques, là, ça fait longtemps que ça existe, en fait. Et pratiquement juste au Canada, là. Pourtant, en Ontario, sur certains campus, je pense qu'on a eu des invitations l'année passée. Ils seraient intéressés là, à ce que des gens du Québec descendent, qui viennent participer à leur activité. Puis, on a même une invitation d'un... l'université de New York pour un event qui ont, je me souviens plus du nom, mais en tout cas c'est vraiment cool. Moi, je peux pas personnellement pour tout de suite envisager ce genre de trip là au niveau monétaire ni côté santé, mais j'espère en tout cas dans ma région et au Québec essayer de faire populariser cette activité là parce que les gens de tous les âges se réunissent. Le nerf, c'est quoi? C'est simplement des scénarios de jeu, finalement, qui ressemblent à la tag. Et on se lance des projectiles de mousse. Bon, c'est super simple, ça fait longtemps que ça existe. La plupart des jeunes des années 80, ceux qui avaient des sous, pas moi. Moi, j'ai découvert ça 20 ans plus tard. Mais ceux des années 80-90, là, ont connu ça. Les premiers nerfs, là, c'est des projectiles mous, avec une tête molle aussi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus familial et convivial que le Airsoft, qui peut facilement crever un œil, ou le paintball là, que tout le monde connaît. Là. Vous ne sortirez pas d'une game de Nerf avec des bleus, là, vous saignez. Là. C'est pas vraiment pas notre créneau. Notre créneau, c'est justement que tout le monde ait la chance de s'amuser. Puis, peu importe l'âge, même si vous avez un œil de lynx, en fait, là, puis que vous. Avec une vraie arme à feu ou un truc plus, comment je dirais, plus professionnel, fait pour le tir de longue distance. Quand même, vous êtes un sniper, vous ne le serez pas nécessairement, puis ça se peut qu'un jeune de 8 ans vous fasse manger vos bas. C'est ça qui est le fun, ça ramène tout le monde au même niveau, puis c'est ça qui est plaisant. Il y a des projectiles qui sont un petit peu plus gros. Il y a encore des gens qui utilisent les fléchettes, là, qu'on voyait les grosses fléchettes là, qu'on voyait durant les années 90 avec les arcs, ont été super populaires. Donc c'est des projectiles de mousse essentiellement. Donc à part une protection visuelle qui se tient à des lunettes, certains mettent un casque. On n'a pas besoin de rien là pour ceux qui ont un attirail de combat qu'on appelle une veste tactique ou quoi que ce soit. C'est juste côté pratique là, c'est vraiment pas essentiel. Nous on prête tout le matériel. On organise des parties, on en a fait cette année, j'ai été trop malade, mais l'année passée, puis l'autre, on a fait quelques activités dans des écoles primaires pour une initiation des nouveaux. Ça a été vraiment, vraiment des beaux moments. Là. Quand les gens s'amusent, moi, ma douleur diminue, puis c'est une des principales raisons pourquoi j'ai mis sur place ce projet-là, puis que je m'implique autant avec ma famille, parce que sans eux, ça n'existerait pas. Je le mentionne... haut et fort dans notre vidéo de l'événement Débarquement 2 l'année passée, l'été dernier, pardon. Donc, c'est ça. J'ai la chance d'avoir une conjointe puis une famille qui m'accompagne là-dedans. Puis, si Dieu le veut, on se croise les doigts pour que tout aille bien côté financier dans les prochaines années pour qu'on puisse construire notre maison adaptée à la perte d'autonomie, à même le terrain de jeu, pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent pas, vous allez le connaître. Puis, d'avoir une maison là, ça va grandement faciliter la tenue des événements parce que côté logistique, c'est extrêmement difficile pour moi. J'ai beaucoup d'aide, mais sans cette aide-là, ce serait vraiment difficile là, puisqu'on n'est pas, on demeure pas sur le lieu du site où on organise nos événements. Donc ça s'en vient.
s'en vient. Pour ceux qui connaissent pas ça, venez essayer. C'est vraiment cool. Il y a juste votre imagination qui peut être la limite du nombre de scénarios qui est envisageable pour les parties. Ça peut être d'escorter un convoi, ça peut être de défendre une base, ça peut être de voler des drapeaux ou autre chose, ça peut être escorter un convoi, protéger un bâtiment, scénario avec un boss, un petit peu comme dans les jeux. The sky is the limit, c'est vraiment moi qui détermine dans le fond en tant que maître de jeu les paramètres de la partie. Puis ça peut être juste un contre l'autre, puis le dernier en vie, chacun 3 vies, des vies limitées, donc on peut jouer avec les paramètres. Donc moi je modifie, j'essaie. Ceux reconnaîtront, ceux qui connaissent ça, le modèle, le circuit représenté par un strife, donc ce qui est pas mal le plus simple qu'on peut avoir dans notre hobby, mais je suis pas capable de l'imprimer dans ma tête. Donc il faut tout le temps que j'aille. Si en faites pas, par exemple, les modifications sont très bien faites. Je prends mon temps, ça me prend juste peut-être 10 ou 20 fois plus de temps que quelqu'un d'autre pour faire soit les modifications ou le montage vidéo, peu importe. Donc c'est pour ça que je le fais à temps perdu aussi. C'est une des raisons. Mais je rêverais un jour si j'avais une chirurgie miracle ou une solution de pouvoir faire ça là, à temps plein, puis d'aller dans les écoles partout, le secondaire aussi. J'aurais des gros plans. J'en conserve quand même parce que je veux que cette activité-là gagne en popularité. Je veux que l'Arsenal, le groupe, gagne en popularité, puis que les gens viennent nous voir en Mauricie pour essayer ce genre de truc-là. C'est ça. C'est notre petit tour de l'atelier, malgré les photos qui avaient été publiées, puis c'était une mise à jour, en fait, de qui on est en gros, pour ceux qui nous connaissent pas, où on est rendu pour ceux qui nous connaissent, puis c'est quoi notre vision pour les prochaines années. Donc on est là pour rester. J'espère vous voir au débarquement 3. Le sondage sort cette semaine pour savoir quelle date serait la mieux pour notre débarquement 3, si on laisse ça comme d'habitude, le troisième fin de semaine de juillet, ou si on change ça. Donc, à bientôt. Suivez-nous. Likez si vous aimez. Ça nous ferait un gros, gros plaisir. Allez voir notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook. Puis, si vous avez des questions, on est toujours là pour vous. C'était Major Bourrasque pour l'Arsenal.